Karine Gibert, on parle d'investisseur. Mets-toi à la place, même de quelqu'un de riche. C'est pas parce que tu es riche que tu as envie de jeter ton argent par les fenêtres. Tu es aux Émirats, tu es en Arabie Saoudite, tu es où tu veux, dans un pays où il y a des gens qui sont très riches, et tu as envie de venir en Europe et de monter une grosse équipe. Mais tu vas aller quand même logiquement dans l'endroit où, avec la même somme d'argent, tu montes une équipe deux fois meilleure. Ou alors il faut m'expliquer. Bon, mais il y a des choses qui sont... Après, il y a d'autres éléments. Voilà, Paris, c'est Paris. Voilà. Ça brille. Bon, bah, voilà. Écoute, ça peut t'attirer aussi. Mais ça peut. C'est tout à fait logique et compréhensible. C'est plus excitant qu'à Rovaniemi. Mais je me dis, par exemple, pour mettre maintenant des sous dans une autre ville et dans un autre club. Ben oui, il y en a quelques-uns, mais si tu me fais choisir, moi, prince d'Arabie Saoudite, en train de prendre un club anglais et un club français, ben excuse-moi, j'ai l'air moins con et j'ai pas l'impression qu'on me pique mes sous aussi facilement dans tel ou tel endroit. Nous, tout est cher. Et tout est plus cher que les autres. Alors, et en plus de ça, quand il y a des sous, on t'empêche de dépenser.